Merci beaucoup, Anne. Merci à tous pour votre présence, pour vos chaleureux applaudissements. Et merci d'être là et merci d'être vous, parce que nous vivons depuis 6 ans d'incroyables choses ensemble. Nous vivons une incroyable aventure au service des Français. Et cette aventure, elle va continuer. Et effectivement, Anne, je suis sûre que l'année qui s'ouvre, l'année parlementaire, va être une grande année au service de nos compatriotes. Je voudrais, pour commencer, féliciter notre nouveau président de groupe. Bravo à toi, Sylvain. Je suis très heureuse que tu sois devenu notre président de groupe parce que ça fait plusieurs années que je te côtoie, que je travaille avec toi. J'aime ta façon de faire, ta façon de dialoguer, j'aime l'écoute que tu as et la façon de faire vivre notre groupe et ses différentes sensibilités. Et je suis sûre que tu seras un grand président de groupe. Donc vraiment, toutes mes félicitations. Comme on parle de président de groupe, je ne peux pas manquer de saluer notre présidente de groupe qui vient de nous quitter et qui, elle aussi, a été une grande présidente de groupe, ma chère Aurore. Merci d'être là. C'est une mission qui n'est pas facile, celle de présidente de groupe, et tu l'as assumée avec brio, et je sais que tu assumeras avec brio tes nouvelles fonctions ministérielle, mais en tout cas, merci de ton engagement. Moi, j'ai apprécié travailler avec toi. Nous n'avons pas toujours été d'accord, mais je suis sûre que nous ne serons pas toujours d'accord, Sylvain. Et c'est ça la vie d'un groupe, c'est ça la vie d'un parti politique. Il faut avoir des désaccords, mais justement, ce qui fait un groupe, c'est d'être en capacité de les surmonter et de mettre tout en œuvre pour le faire. Et donc, vraiment très heureuse de travailler, d'avoir travaillé avec toi et de continuer sur les sujets qui sont maintenant les tiens et de travailler avec toi, Sylvain. Je voudrais aussi féliciter, je ne sais pas si Pierre Cazeneuve est dans les parages, il est encore là ou pas? Non? Est-ce qu'il y a des rugbyman avec nous? Parce que je suis allée à Toulouse pour le match d'envoi de la Coupe du Monde de rugby parlementaire et ils sont arrivés 3e, figurez-vous, donc bravo à eux! Cela étant dit, nous avons vécu une année passionnante, une année difficile. Nous avons remporté un certain nombre de combats parlementaires et nous avons, je crois, tenu nos engagements au service des Français, tenu les engagements que le président de la République avait pris lors de la campagne électorale. Je pense évidemment à la réforme des retraites et nous avons été d'une solidarité sans faille pour pouvoir franchir cette étape et tenir cet engagement. Je pense aussi aux lois relatives à l'environnement, que ce soit la loi portée sur les énergies renouvelables ou sur le déploiement du nucléaire. Et puis nous avons tenu nos engagements sur le bloc régalien, cher Gérald, avec la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, celle portée par Sébastien sur la loi de programmation militaire, celle portée par Éric, la loi de programmation sur la justice. Ce sont trois lois importantes qui vont nous réarmer sur le plan régalien, que ce soit pour nos services de police, nos gendarmes, nos magistrats, nos greffiers et puis bien sûr nos militaires. Et je pense que c'est extrêmement important et le budget qui va nous être présenté, sur lequel nous allons travailler, va justement traduire très concrètement les engagements et les votes que nous avons effectués durant cette année. Nous avons eu une année assez exceptionnelle aussi sur le plan des propositions de loi. Nous avons eu finalement un phénomène totalement inédit, qui était qu'il y a beaucoup de propositions de loi, donc qui émanent en partie du groupe majoritaire, qui ont été adoptées. 30 propositions de loi ont été adoptées pendant une année de façon définitive et 18 l'ont été et sont encore en navette. Donc cela fait près d'une cinquantaine de propositions de loi qui ont été adoptées au moins en première lecture à l'Assemblée nationale.
Et ça, je crois que c'est le résultat de la fameuse nouvelle méthode. Nouvelle méthode que je prônais au mois de juillet 2022, dès mon accession à la présidence de l'Assemblée nationale, et nouvelle méthode qu'Elisabeth, que je voudrais vraiment saluer à ce moment-là de mon intervention, parce que cette nouvelle méthode, elle vit grâce à toi, grâce à l'ensemble des membres du gouvernement qui sont à notre écoute, à l'écoute du Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et je pense que grâce à cela, nous avons pu remplir un certain nombre d'engagements et nous avons pu avancer dans l'intérêt des Français. Donc merci à toi, Elisabeth. Et merci à Franck, bien sûr. Et j'en profite pour remercier François, qui mène notre groupe de sénateurs avec brio. Il est en campagne électorale, alors pas pour lui, mais pour un certain nombre de nos collègues, et nous sommes tous, et je vous invite à être tous derrière nos sénateurs qui sont en renouvellement. La bataille est difficile, mais nous devons la gagner. Nous le devons à François, qui est un formidable chef de groupe au Sénat. Alors, notre institution fonctionne parce que vous êtes un groupe formidable, parce que nous avons adopté une nouvelle méthode, parce que nous avons réussi à trouver les bons équilibres à l'Assemblée nationale. Et je voudrais vous dire un mot sur le fonctionnement interne de l'Assemblée nationale. On parle en ce moment du renouvellement des instances de l'Assemblée, donc le bureau notamment, avec ses questeurs, ses vice-présidents et ses secrétaires. Et je voudrais vous dire que le bureau que nous avons actuellement est un bon bureau. C'est un bon bureau pour plusieurs raisons. C'est un bon bureau parce qu'il respecte notre règlement. Vous me direz, c'est un minimum. Notre règlement prévoit que le bureau doit représenter les différentes sensibilités politiques qui sont présentes à l'Assemblée nationale. Et c'est le cas aujourd'hui du bureau qui représente l'intégralité des équilibres politiques. Notre bureau doit être paritaire. Et je vous indique que j'ai fait les comptes tout à l'heure, nous sommes 12 femmes sur 22 membres, donc il est largement paritaire. Et donc, moi je crois que le bureau, donc, il correspond à nos règles, et surtout, il nous a permis de fonctionner. Le bureau, depuis 2 ans, a adopté à l'unanimité le budget de l'Assemblée nationale. Il a adopté à chaque fois les propositions que nous lui faisions en ce qu'il fallait sanctionner certains parlementaires, en ce qu'il fallait avoir un certain nombre d'orientations sur la vie de l'institution, telles que le projet de nouvel accueil du public. Et donc ce bureau est, je le crois, un bon bureau. Et donc la position qui est la mienne, le souhait qui est le mien, après évidemment une discussion approfondie avec Sylvain en tant que président de groupe majoritaire, mais également avec Laurent Marcangeli et Jean-Paul Mattei, c'est de prôner le statu quo et de travailler pour que le bureau de l'Assemblée nationale puisse continuer cette deuxième année de notre mandat de la même façon qu'il l'a effectué pendant la première année. Donc je travaille en ce moment à cela, je rencontre l'ensemble des présidents de groupes politiques, mais c'est la position que je soutiens, bien sûr, en dialogue constant également. J'ai parlé des présidents de groupe, mais en dialogue constant également avec Franck, avec la Première ministre et avec le président de la République. C'est important parce que si l'on a pu voter autant de textes, si l'on a pu remplir autant d'engagements pris par le président de la République et notre majorité lors des élections législatives, nous avons pu le faire parce que nous avons une institution qui fonctionne, qui tourne, qui n'a jamais été bloquée, et la composition du bureau a permis ce fonctionnement. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense en conscience qu'il est très important de reconduire ce bureau tel qu'il est aujourd'hui pour pouvoir permettre à notre institution de continuer à remplir pleinement sa mission pour l'année qui s'ouvre. Pour terminer, je voudrais vous dire que je vais continuer évidemment la politique d'ouverture que j'ai menée à l'Assemblée nationale. Ouverture vers les citoyens, toujours plus de créneaux de visite pour que vous puissiez permettre aux habitants de vos circonscriptions de venir visiter l'Assemblée nationale, plus d'expositions,
plus d'assemblées des idées, plus de rencontres citoyennes, parce que je pense vraiment que cette Assemblée nationale doit s'ouvrir au peuple pour redevenir pleinement la maison du peuple. Donc nous continuerons cette politique et vous verrez dans la cour d'honneur, il y a une magnifique œuvre de Pierre Fabre qui vient d'être installée et qui est constituée de 577 fils de couleur bleu, blanc, rouge représentant la représentation nationale. J'espère qu'elle vous plaira. Nous allons continuer, bien sûr, à travailler avec les groupes pour accentuer nos points de convergence lors des semaines transpartisanes, les semaines que nous avions initiées et que nous allons, je l'espère, faire grandir, parce que c'est, je crois, de notre responsabilité de continuer à rassembler, de rassembler autour de nos valeurs et de notre projet. Vous pouvez pour cela compter évidemment sur mon engagement total. Et n'hésitez pas, et je passe ma petite annonce, n'hésitez pas si vous souhaitez que l'on fasse un déplacement, que l'on organise un déplacement dans une de vos circonscriptions. J'ai déjà réalisé 27 déplacements sur tout le territoire hexagonal et ultramarin. J'ai été chez à peu près 40 parlementaires. Je pense que c'est toujours aussi important que nous allions ensemble à la rencontre de nos concitoyens sur tous les territoires, quels qu'ils soient. Donc n'hésitez pas si vous avez des souhaits, des entreprises, des associations, des points vraiment d'intérêt sur vos territoires, des jeunes ou des assemblées à rencontrer. Je suis toujours très heureuse de pouvoir me déplacer, échanger, rencontrer nos concitoyens parce que c'est pour eux que nous œuvrons pour faire en sorte de bâtir la France de demain, pour eux et avec eux. Je vous remercie.